Bienvenue à Dijon, la capitale des ducs de Bourgogne. Et bienvenue à l'Éthique Étape, le centre de rencontre international de Dijon. À travers cette vidéo d'une conception tout à fait originale, puisque c'est bien vous qui en déciderez le déroulement, nous vous proposons de découvrir toutes les facettes d'un séminaire regroupant quelques 80 participants durant plusieurs jours. Laissez-vous guider et surtout, avec l'Éthique Étape de Dijon, créez vous-même votre séminaire sur mesure. Déjà commencé, je suis peut-être un petit oui, peu... Oui, ça a déjà commencé. Faut que je me dépêche alors. Voilà, ça va être rapide. Voilà. Une chambre à deux. Donc, une clé par personne. Voilà, avec un guide d'accueil. Donc, c'est des informations sur l'établissement. Alors, pour l'accès des chambres, okay. Vous ouvrez. À gauche, il y a un ascenseur. Ouais. Et maintenant, vous pouvez aller où vous voulez. Merci. Séminaire, chambre, voilà. Allô ? Oui, salut, c'est moi. Oui, je suis arrivée, je suis bien arrivée, ça s'est bien passé. Pas trop long la route, non. Oui, un jeune homme très sympa en bas, oui, oui, tout à fait. Apparemment, le séminaire a déjà commencé, mais... Ah, comme on veut. Mais c'est la liberté, super. Bon, bah, écoute, je finis de déballer deux ou trois bricoles et puis je descends dans 10 minutes. A tout de suite, ciao. L'apéritif ici, pour ceux qui boivent de l'alcool, bien entendu, s'appelle le Kir. Donc c'est un bloc à 6. Un établissement comme celui-ci, où on peut, à des prix raisonnables, séjourner sur des courts séjours, en groupe, en individuel, c'est primordial. C'est pas la première fois qu'on vient faire une assemblée générale à Dijon, et on apprécie toujours l'accueil. Les assemblées générales d'Éthique Étape, c'est ça, c'est un moment de convivialité, et en plus, l'adjointe au maire qui nous accueille, on y est sensible. Il y a une reconnaissance du réseau qui est importante, et donc c'est voilà, mais bon, on va trinquer ensemble, c'est encore plus sympa. Bonsoir à tous et bienvenue à cette Assemblée Générale. Qui vote pour ? Est bien l'Éthique Étape, c'est qu'au moment des pauses, la convivialité et aussi le moment où on peut échanger sur d'autres sujets. Catalogue et sur l'intranet, tu vas avoir la liste des centres qui peuvent t'apporter des véhicules. Tu vas y aller sur l'intranet. Oui, c'est bon. Oui. Bon. Je crois qu'on est tous conscients que ça fonctionne, plus ou moins. Cet échange, du moins de ceux qui sont les plus anciens, qui se connaissent et qui ont ce réflexe, comme vous avez vu à un moment donné, de s'adresser à des gens que vous connaissiez. Coloré.
intéressante. Captivant. Histoire. Coloré. Paradisiaque. Donc on va voir verre en main, la dégustation il se fait d'abord à l'œil, de deux manières, la limpidité et sa couleur. Ensuite il y a le premier nez, donc où on commence à détecter des arômes de fruits ou de fleurs. Ensuite on le porte en bouche. En bouche là on n'a que quatre saveurs, acide, sucré, salé dans l'axe du palais et de l'astringence sur le, tout à fait en début de palais aussi, surtout pour les rouges, c'est les tanins qui flocculent avec les protéines, donc sur les gencives. Toi l'Auvergnat qui sans façon, pas de mes quatre